promesses deviennent conditionnées par cas et drague. Les promesses de respect de la société en échange d'un coup, d'une drogue. Elle qui ne rêvait que vivre une vie normale, dans la dignité, la bonne morale. La voilà, sangloutant entre les jambes de son taureau, le bourreau, violée. Elle sait que c'est plutôt sa justice qui est derrière le barreau. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant sans défense, fille, femme, citoyenne du monde à la beauté de Cléopâtre. Plus le temps passe, plus elle devient mal pâle. Elle n'arrive plus à tisser les bouts des mois, tout revient à la case départ. Le médecin lui annonce qu'elle est séropositive. Le combat pour la vie contre la mort pour elle devient sérieux négatif. Le médecin ajoute la cerise sur ce cadeau empoisonné. Félicitations madame, vous attendez un enfant. Elle pique une crise, elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant innocent, fille, femme, citoyenne du monde à la beauté Cléopâtre. Encore un enfant sans père ni mère. Elle refuse de perpétuer cette routine vicieuse. Décide de renvoyer cet embryon vers la porte des cieux. Avortement a manqué, c'est au bord du Congo que son cadavre flotte. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant innocent, fille, femme, citoyenne du monde à la beauté de Cléopâtre. Abandonnée très tôt parce que les parents côtoyaient le trépas. Abandonnée très tôt parce que les parents rejoint le ciel. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire vécue par plusieurs filles, femmes dans le monde. Parce que la dignité n'a pas de respect lorsqu'elle côtoie la rue. Parce que le respect n'a pas de classe sociale. Parce qu'on peut sauver des vies par un geste, par un regard. Elle, Cléomâtre. Mais les temps de Mia, oh, thank you.